Bonjour, bonjour. Je m'appelle Sarah Bricot. Aujourd'hui, on s'occupe du tirage au sort du concours pour gagner une enveloppe scrap sur le thème Halloween. Nous avons donné un numéro à chacune des participantes. Sarah va plier les différents papiers pour les mettre dans ce beau bol licorne. Donc voilà, vous venez de faire connaissance avec ma fille qui a voulu participer à ce concours. Alors voici la liste des participantes. Il y en a 18. Alors merci beaucoup d'avoir participé au premier concours de ma chaîne. Alors voilà, Sarah qui continue à plier les petits bouts de papier. Ça laisse du suspense. Tout est en direct. Allez ma chérie, plie les petits papiers. Ah oui, ça prend du temps. Et je ne sais pas t'aider ma chérie, je tiens la caméra. En tout cas, je suis très très heureuse de pouvoir faire gagner une enveloppe à l'une d'entre vous. Si je pouvais, je ferais gagner tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, je vais refaire des petits concours comme ça. J'adorais moi recevoir des enveloppes surprises quand je participais donc justement à des groupes d'échange. J'avais même créé un groupe où on ne s'envoyait que des enveloppes surprises en fait. On ne disait pas ce qu'on voulait comme dice, on donnait parfois le thème et on recevait des découpes, des stickers. Et c'était toujours magique d'ouvrir sa boîte aux lettres, de découvrir l'enveloppe. Oui, oui, oui. Je meuble un peu. Il reste 4 numéros, ma chérie. Vas-y, tu peux le faire. Allez, les 4 derniers numéros. Le 3 dernier, c'est la dernière ligne droite. Plus que 1. Alors, mélange un petit peu, Sarah. Sarah Bricot, plutôt. Voilà. Alors, Sarah Bricot est la main innocente, c'est elle qui va choisir la gagnante. Vas-y Sarah, tire au sort. La gagnante est le numéro 6. Le numéro 6 est Sanchez Sabrina. Donc félicitations à la gagnante. Je vais essayer de prendre contact avec elle et sinon elle peut le faire via ma page Facebook. Encore un très 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 grand merci d'avoir participé à mon concours et on vous dit à très bientôt.